Sans le pardon, l'avenir n'est pas possible. Vous êtes ici, voyant cette famille rendre l'avenir possible. Je vous défie d'amener vos membres de famille, amenez votre père, votre mère, pour la réconciliation dans la maison des dieux. Everybody wants to leave the house because Harba told them to get hit. Sometimes Ganana or when it's a mauka, no matter what a proper point or how mistreated or mistreated a thing. Because I hate when people talk to me about mistreated because it's how you treat my mother. I get ratty about how well enough fat was your fat, so was your mamma. What's funny so as a joal, poor so who numbs at your house. So to the Zamanaka, yes, one and na. What everything must go your way because we don't have a choice, have a voice. Because mama was a dog like a wen. Everything is a reversal because my mom didn't approve of one of the Maruna. I hate this! I told you about 36 years! 36 years! Pardonnez votre père, ma fille. Mais choisissez de le pardonner. Et votre vie, votre avenir sera possible. Le dommage est déjà fait. S'il vous plaît, choisissez pour un avenir meilleur. Choisissez de pardonner votre père. C'est votre père. Non. Décidez, choisissez. C'est un choix. Vous pouvez choisir de le pardonner ou pas. La guérison viendra après que vous ayez choisi de le pardonner. Je vous en prie. Je vous en prie. Juste dis ces paroles, je choisis de vous pardonner. Je sais que c'est dur. Ce qu'il a fait, ça ne mérite pas le pardon. Mais laisse le jugement entre les mains de Dieu. Choisissez de le pardonner pour un avenir meilleur. Je vous en prie. Pouvez-vous voir, peuple de Dieu, le dommage que nous font? Pouvez-vous voir? Voici la fille qui échoue de dire ces paroles de pardon. Comment à propos de vous? Toute erreur est corrigible. Toute erreur est pardonnable. Vous devez avoir l'humilité et la simplicité. Maintenant, c'est la cadette. Regardez. Tenez sa main. Tenez sa main, s'il vous plaît. Donne la main au père. Donne la main à ton père. Elle ne veut même pas le toucher. Mais il reste dans la même maison. Kasi bantu sempe sikudien song rona balaba kahle. Karlo hanyo ke kinseng haralona la pelane. Lo hona jwa letsa le sa go le hantle bana ba ka pakela ka ntse ba lona. Go hlokolona ke a tsi bantu ba bana ke tsi ba hantle. Ke tsi ba hantle ntla ba ka tshwene ntseng. A sentwe hantle ntse ba ke kinseng.
La rébellion que nous voyons dans nos enfants commence dans la maison. Ça commence dans la maison. Quand ils voient le père traiter la mère de cette façon, quand le garçon voit le père traiter sa mère de cette façon, il va dehors. La valeur de la vie est détruite. Et maintenant, vous dites, je ne sais pas comment contrôler mes enfants. Mais qu'est-ce que vous faisiez dans votre maison? Regardez. Ça, c'est une famille merveilleuse. Mais elle a été détruite par le diable. Dieu est si bon qu'il ne peut pas faire quelque chose de cruel. Je vous dis la vérité. Dieu est si bon qu'il ne peut pas faire quelque chose de cruel. Tout ce qui est cruel ne vient pas de Dieu. Quand vous voyez quelque chose de cruel dans votre maison, cela ne vient pas de Dieu. Dieu est amour. Dieu est la paix. Dieu est le confort. S'il vous plaît, s'il vous plaît, pardonnez votre père. Laissez-moi écouter vos paroles. S'il vous plaît. I forgive you, Dad. I forgive you, Dad. I forgive you, Dad. I forgive you, my husband. S'il vous plaît, venez ici. Faites-le pour l'intérêt de la paix, de l'amour et de votre santé et de votre avenir. C'est votre père. Pardonnez-le de tout ce qu'il a fait. Embrassez-le. Regardez. Tous ces enfants sont des adultes, mais le fait que le papa les a embrassés, cela change beaucoup de choses. Vous, peuple, ne soyez pas cruels à vos enfants. Vous êtes en train de détruire une génération. Ça, c'est une génération. S'il vous plaît, ces gens sont restaurés. Je me tiens ici, dans le bureau du prophète, appelé par Dieu, de parler à la restauration pour la famille, la paix, de parler la prospérité, tout ce qui était bloqué, tout ce qui était enfermé dans la cage, d'être libéré, que leur vie soit libérée, que leur futur soit solide. Dans le nom de Jésus, qu'il soit entouré de la faveur comme le bouclier. Seigneur, protège cette famille à partir de maintenant, de tous ceux qui voulaient la détruire. Qu'ils soient honteux, dans le nom de Jésus. Amen. S'il vous plaît, les mères, les garçons et les filles, venez embrasser notre famille. Merci beaucoup. Merci, vous êtes jolies. Nous sommes en train de voir un père qui a détruit sa propre maison suite au mauvais conseil de sa famille d'origine. L'homme n'avait plus confiance à sa femme, voire même à ses propres enfants. Ils vivaient tous dans une même maison, mais ils étaient divisés. Et papa allait toujours se confier à sa mère et à ses propres sœurs plutôt qu'à sa femme.
il avait même ignoré ses propres enfants. Et voilà aujourd'hui, grâce à Dieu et à l'homme de Dieu, prophète Philippe Banda, il y a la réconciliation totale suite aux enseignements récits à l'Impact for Christ. L'homme a vu qu'il était en erreur, alors il a sollicité l'aide de l'homme de Dieu afin que la paix, l'harmonie, la réconciliation puissent revenir dans sa maison. En demandant pardon à tout le monde de sa famille, même à s'agenouiller devant ses propres enfants et sa propre femme. Voilà comment notre Dieu peut encore restaurer les familles détruites par les diables.